Momo va dormir chez Armand. Aujourd'hui, Momo va dormir chez son ami Armand. Ouais, je vais dormir chez Armand, je vais dormir chez Armand. Comme on s'amuse dans les temps. Le soir, pas besoin de bain. Après le repas, vite au dodo. Si on joue aux devinettes, dit Armand. Oui, 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 répond Momo. Alors, dit Armand, qu'est-ce qui est jaune qui monte et qui descend? Fait Momo. Ah, vous êtes dans un ascenseur, crie Armand. Ha ha ha, c'est quoi un ascenseur? J'en ai une aussi, dit Momo. Qu'est-ce qui est vert, qui monte et qui descend? Hein? Armand, qu'est-ce qui est vert? Hé, Armand! Mais Armand, c'est autre. Momo, c'est une petite grenouille qui est née avec je ne veux plus pêcher que papa. Je ne veux plus pêcher avec papa, c'est une histoire de lien entre l'enfant et son père, ça pourrait être sa maman aussi, mais là c'est le papa. Donc, ça fait une histoire personnelle où mon père nous a emmenés à la ferme et puis plus tard a emmené mes filles à la ferme. Et donc un jour, en grandissant, on n'a plus envie d'y aller. Et je voulais transposer cette histoire-là. Et je suis très attirée par le personnage des petites grenouilles. Parce que j'ai un jardin, il fait un peu humide, là, ça entend dans le bois. Et il y a plein de petites grenouilles qui sautent quand on marche dans l'herbe. Et je les trouve vives, sympas, un peu humaines quelque part. Première, je ne vais plus pêcher avec papa, est quelque chose qui me tenait fort à cœur dans la rupture qu'on a à un moment donné quand on grandit, avec la fidélité à faire ce que les parents aiment qu'on fasse et la prise d'autonomie. Momo va dormir chez Armand est un petit peu dans la même idée. C'est aussi grandir, c'est aussi des expériences de rupture avec quelque chose. Et aller loger, voilà, je vais dormir chez mon ami, est une grande rupture avec le lieu le plus rassurant du monde qui est chez soi. Et j'en ai des souvenirs terribles d'aller dormir chez des amis avec ce moment où on s'amuse, et puis, mon Dieu, où suis-je? Mais c'est quoi ce lieu? Je ne le reconnais pas comme un lieu affectueux, je ne le reconnais pas comme un lieu rassurant. Et après, j'ai eu mes enfants qui eux-mêmes sont allés loger chez des amis, avec une fois ou l'autre aller les rechercher pendant la nuit, ou les amis de mes filles qui venaient loger à la maison et passer la nuit à les rassurer. La place des parents qui reçoivent l'enfant et qui sont eux dans cette obligation de les rassurer pour qu'ils se sentent bien et qui essaient de pallier un petit peu au manque et de jouer un rôle de parent. Enfin, c'est toute une histoire un peu compliquée mais qui est un peu marrante aussi quand on s'est passé et qu'on en a les souvenirs. J'ai eu une idée d'une histoire. Il y a l'histoire d'abord, le sujet qui me vient, et puis tout de suite, enfin très vite en tout cas, je pense à des personnages. Voilà, des personnages humains, ça c'était pas question, c'était trop. Alors, je l'ai presque didactique, donc enfin, c'est peut-être un peu exagéré. Mais j'avais envie de petits personnages sympas, de petits animaux qui soient un peu rigolos, donner une dimension marrante à l'histoire. Et voilà, j'ai repensé à Momo tout de suite. J'avais aussi entre-temps fait la pêche à la lune, où de nouveau, là évidemment, l'ambiance de la nuit avec les grenouilles près de l'étang, avec voilà, on voit un peu la lune, les couleurs vert, bleu, cette ambiance, je l'aime bien, je trouve qu'elle convient, ça ajoute quelque chose à l'ambiance de la nuit, à la profondeur de la nuit. Et ici, dans Momo va dormir chez Armand, ça se passe sur la terrasse, au bord de l'étang, et on ressent aussi la nuit.
La nuit que j'adore.